Coucou Mandiment, j'espère que vous allez bien. C'est une nouveauté que je suis en mode très content de faire. Aujourd'hui, avec cette petite ambiance style, j'ai envie de faire une vidéo où je vous montre comment je fais des implantations de cheveux pour Monster High. Et du coup, je vais faire des implantations pour deux de mes Monster High. J'ai Widona et j'ai Web Spider. Et je vais leur faire des cheveux avec de la laine. Donc, j'ai de la laine rouge et j'ai de la laine lavande. Et du coup, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je fais. Et je vais faire de A à Z leur tête complète. Donc, ça vous plaît, je vous laisse avec la suite, c'est parti. Avant de commencer, je vais vous montrer un exemple pour voir comment ça fait. Donc j'ai fait avec une seule poupée, c'est la seule que j'ai fait. Donc ça donne ça, ça c'est moi, c'est ma poupée, c'est Weirdo, me fait pas, il a pas de gueule. Donc ça donne ça, je sais pas si je vais faire la même longueur ou pas, mais je pense que oui. Du coup c'est parti, j'ai commencé. Du coup j'ai commencé avec Web Spider, du coup ça fait Spider et Web Spider. J'ai commencé avec Web Spider et je lui ai préalablement enlever la tête. Je vais pas enlever avec de l'eau chaude, mais c'est mieux si vous l'enlevez avec de l'eau chaude, parce que du coup moi j'ai dû tirer, c'était un peu compliqué. Ok, du coup c'est parti. Alors je prends l'extrémité de la pelote de laine et je viens prendre une petite aiguille là, comme ça, ces aiguilles qui ont un vagin au bout, et du coup je viens prendre l'extrémité de la laine, je viens l'humidifier, ça ne rentre pas. Et du coup, je mets dedans. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ça comme ça. Sans que ça s'enlève. Une fois que vous avez ça comme ça, vous venez prendre la tête toute seule, et vous venez directement l'implanter dedans et la faire ressortir par le cul. Là. Donc, n'importe où. Moi, je commence, disons, par là. Et sachant les endroits où vous allez mettre, ça va être plus compliqué des fois. Là, quand ça sort de l'autre bout, vous venez tirer. Et là, vous tirez afin que ça disparaisse, mais sans tirer trop pour que ça s'enlève, parce que du coup, sinon, ça sert à rien. Du coup, voilà. Et une fois qu'il y a juste le truc qui sort, vous venez prendre des ciseaux. Et venir couper la longueur que vous voulez. Du coup, moi, je vais voir par rapport à son corps où est-ce que je vais couper. Je sais pas. Je pense que je vais couper un peu long, et après, quand tous les trucs seront faits, je viendrai retailler. Enfin, voilà. Donc là, je coupe à peu près comme ça. Et voilà, on a la première mèche. Et donc, je vais faire ça plusieurs fois. Et donc, vous avez compris le truc. Et comme ça, après, ça fera les cheveux. Je vais faire une deuxième fois au cas où c'était pas super compréhensible. Du coup, je vais prendre un petit bout et le foutre dans le truc. Ensuite, je le fais dépasser. Je prends la tête et j'enfonce dedans. Donc moi, à chaque fois, je le fais à côté de là où j'ai commencé, parce que ça permet que je m'en sorte mieux. Voilà. Essayez de pas vous piquer. Et vous faites sortir, c'est plus compliqué des fois. Voilà, c'est bon. Là, on enlève, on tire. C'est où? C'est là. Et donc voilà, j'essaye de venir couper à la même longueur, même si après, du coup, je vous l'ai dit, je recouperai tout. Donc voilà. Donc là, j'ai deux mèches, vous voyez, faire comme ça. Et donc voilà. Donc voilà, moi personnellement, j'ai toujours fait que des ponytails. Du coup, je fais seulement le tour de la tête. Et vu que c'est du fil un peu épais, du coup, je fais que le tour de la tête. Mais après, si vous voulez faire des cheveux qui sont longs, sans les accrocher, bah faites tout la tête. Moi, du coup, je fais tout le tour, comme ça va beaucoup plus vite et j'ai besoin de beaucoup moins de matière. Du coup, voilà, je refais la quatrième fois. Après, quand on a le truc qu'on a habitué, ça va vite après. Donc, ça. Donc, je vais bien. On prend, on tire, on coupe, on prend l'extrémité qu'on vient de qu'on vient couper, on reprend l'aiguille, nanana, nanana. Voilà, je vous retrouve quand j'en ai fait un peu plus. C'est parti, je vais dire. Je vous ai dit que j'en avais fait qu'une avant, mais non, en fait, je suis complètement. J'avais fait ma Gina Fire sur ma chaîne, d'ailleurs, je l'ai faite, j'ai complètement oublié. Voilà. Donc j'en ai pas fait qu'une, en fait j'en ai fait deux. Et du coup elle est un peu plus longue, elle fait 6 mètres de long. Voilà, mais j'avais oublié. Ok, donc j'en suis à là.
J'ai fait à peu près, enfin j'ai fait tout ça. Depuis la dernière coupure, il y a eu 5 minutes. Donc en 5 minutes, j'ai fait tout ça. Donc ça va assez vite quand même. Donc voilà. Je continue. Jusque tout le tour de la tête soit fait. Voilà. Je retrouve dans quelques petites coupures. Ah, c'est drôle. Oh, j'ai refait chauffer mon cappuccino dans le micro-ondes parce que j'avais oublié de le boire. Du coup, je l'ai refait chauffer parce qu'il a refroidi. Je sais pas parler, bref. Et du coup, bah, il a explosé dans le micro-ondes. Il y avait plein partout. C'était pas cool. Bref, on va reprendre. On va reprendre tranquillement. Je déteste quand je perds l'aiguille. Il y a des trucs positifs, mais de... Ah! Ah, mais je viens de manger, je viens de croquer dans un truc et je mange là maintenant. J'allais... Oh putain, mais je vais n'importe quoi, j'ai un surfan. Là, je prends vraiment mon temps pour le faire. Mais ouais, je pourrais aller vite et faire toute la tête en 1 heure. La première fois que je l'avais fait avec Weirdo, avec les cheveux roses, j'avais mis 5 heures pour faire sans compter les arrêts. Donc que 5 heures, que en faisant ça. Donc ouais. C'est encore froid, je vous jure. Oh. J'ai encore perdu l'aiguille, j'ai pleuré. Ah non, c'est bon. Pourquoi je l'ai enfoncé dans mon... Bref. Je suis très bête. Wake up my bed. Hop. C'est aussi une vidéo utile dans le sens où je fais pas de coupure parce que je peux plus pour l'instant faire de montage parce que j'ai plus d'ordi. Du coup là je fais une vidéo que avec YouTube sur mon portable. Et je me pose, je dépose, c'est pour ça que là, à chaque fois je fais Bref, voilà. Mais, ce que je me dis, c'est que, faut pas se plaindre, parce que t'as jamais le pire. Pourquoi je dis ça? Ah non. Qui, je pense, aurait été cool, c'est que je fasse des mèches. Parce que là, du coup, vous voyez que je fais toutes les mêmes couleurs, mais en vrai, vous pouvez prendre d'autres couleurs. Ensemble ou pas, enfin en fait ce que vous voulez, mais moi ce que je me dis que ça aurait été bien, c'est des mèches de la couleur de ses sourcils. Attendez, bon, des verts, des verts, mais j'ai du vert. De toute façon, si c'est pour une mèche, je peux bien trouver, je pense. J'ai effectivement du vert, mais ce que je me dis, c'est que c'est pas le bon vert. Enfin, c'est pas vraiment vert, mais en plus c'est la même couleur que son truc dans sa tête. C'est genre vert d'eau, c'est genre... Je pense quand même que je vais faire une mèche. Ouais, ça peut être du... J'ai deux verts, donc lequel va le mieux? Ah, c'est celui qui va le mieux. Ok.
En plus, il est encore plus épais, lui, donc je vais faire une mèche comme ça. Voilà, bah non, du coup, je vais pas tout couper. J'ai encore perdu une aiguille. Du coup, c'est un peu dur parce qu'il est super épais. J'ai mis du sneakers dessus, c'est très. C'est bizarre. Ok. Oh, c'est insupportable quand ça fait ça. Soit on y arrive bien sans qu'il y ait des problèmes, soit là, ça fait 10 minutes que j'arrive pas à mettre le bout vert dans le putain de. Je vais y arriver, hein. Pause. Suis arrivé. Ok. Du coup, je vais mettre là. J'en ferai une seule parce que vu comment j'ai galéré. Mais c'est quoi ce temps de pas grave. Oh non. Ce que j'ai trop peur, c'est que pendant que j'enfonce, que ça se relève. Parce que du coup, ça tient comme ça. Faut faire attention. Faire attention. Et puis des fois aussi, le pic est dur à enlever. Je vais vous donner un bon exemple. En fait, ça fait mal de tirer. Tu tires juste sur ça et c'est impossible à enlever. Ce que je faisais, vu que je l'avais fait sur ma table, l'autre, c'est que j'appuyais. Comme ça, du coup, ça ressortait tout seul. Mais là, ben, pas. Ok. Tire. Et je viens couper. Ok, on a la mèche verte. Ouais, ça passe. Je dirais que ça passe. Ok. I never been scared before. Ah, je me suis vraiment cru chez moi d'un coup. Okay. Bah, je suis chez moi. D'un coup, ça revient vite quand je passe avec le violet. Je vais en faire qu'une mèche verte parce que ça risque de me. Enfin, ça m'a saoulé, du coup, c'est bon. Il faudra que je fasse une vidéo. Je fais un challenge de le faire le plus vite possible, toute la tête. Donc, Widona, je vais le faire dans une autre vidéo. Dites-moi si vous voulez que je fasse le challenge. Et je le ferai avec Widona et la laine rouge. Parce que là, cette vidéo, c'est déjà bien. Un calvaire, un calvaire, un calvaire. Il fallait que je tire le fil pour que ça s'enlève. J'ai tiré sur un mauvais fil et j'ai enlevé plein de fils. J'adore ma vie. Ah, trop drôle. Ok. Me suis coupé le pyjama. Je vous laisse deviner derrière votre ordinateur ce que j'ai perdu. Vous avez 10 secondes pour trouver. Elle bouge mes cheveux. Ah bah je la regarde en plus. Pendant que je bouffais mes cheveux, je la regardais ce que je cherchais, elle était en face de moi. Insupportable. Ok. Là, ça doit faire 20 minutes que je suis dessus. Vous voyez qu'il y a ça. En soi, vu qu'après, du coup, je vais y attacher comme ça. Ah oui, du coup aussi. Si vous voulez faire une longue ponytail, il faut que vous voyez ce que ça
cacherai, du coup ça va ressortir. Du coup moi, vrai... bah d'ailleurs j'ai dit mais j'y ai pas pensé moi. Je crois que ça allait faire comme ça, mais je suis con. Du coup ça va faire. Ça va. Ça va faire. Ah si quand même, ok. Si quand même, si quand même. Mais je préfère toujours faire plus long pour qu'après on puisse tout égaliser. Je me bave dessus. Non mais à chaque fois, en fait à chaque fois faut que je mouille ça et me mette dans le truc. À chaque fois je bouffe ça genre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu savais pourquoi il m'a couché? Il a l'air fait de péter. Il ne bouge plus du tout, c'est trop. Comment ça va? Tu m'as beaucoup manqué ces derniers temps. Quoi que dis-tu? Putain, c'est nul quand vrai, tu ne m'aimes pas. Là. J'ai perdu l'aiguille. J'ai perdu l'aiguille. Pendant le goûter, rigoler, ta tête, je vais la lâcher. Arrêtez de penser que tu vas m'en sortir. Je suis allé négocier, c'est danser. Arrêtez de penser que tu vas m'en sortir, c'est pas vrai. C'est enculé, tu vas voir, tu vas te regretter. Cozy. Le truc qui est cool. Je sais plus ce que je veux dire. Ah oui, le truc qui est cool, c'est que du coup, bon après c'est con de l'enlever pour genre le faire pour l'avoir enlevé après. Enfin le faire pour l'enlever après. Mais on peut quand même y enlever et le refaire autant qu'on veut, du coup. Ça c'est cool. Bon moi partout quand je fais parce que je suis un peu marre, donc je fais pas quelque chose pour rien. Mais ouais, on va un peu s'amuser, c'est cool. La bouche est beaucoup trop belle. Pour être réel, c'est un peu abusé, mais c'est bel et bien vrai. Je suis beaucoup trop belle. Tout, 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 tout. C'est insupportable quand ça se nique tout au bout là. Encore merci pour tout. Merci, mes amis. Si vous êtes en train de nous faire chier, regardez dans la description. Je vais mettre la durée de là où passer pour l'outro. Parce que.
que tu devras pas me faire. Je vais sûrement me faire chier. D'ailleurs, sur le réseau, m'a dit mon père, tu me fais chier. Ou alors, tu veux pas en faire rien. D'ailleurs, je fais une pub pour Ginès, qui est mon artiste préféré, qui va sortir son 4e album ce 1er décembre. N'hésitez pas à aller le streamer, ça ferait très plaisir. Elle mérite plus de reconnaissance. She's so famous. In her head. Jeanette is coming here to kill all your family. Là, j'ai fait tout le devant, du coup, c'est cool. Jeanette is coming. Ah. On y va. Ça y est, je commence à manger. Je vais mettre ma tête, mes oreilles, j'ai mon petit pépé. Je claque des doigts comme si ma vie en dépendait. Mais quand je prends, y'a rien que je n'ai jamais fait. Que je n'ai jamais fait. Mais... Il y a un truc que j'ai encore tiré le mauvais truc, bref. Tu es vieux, ouais. Ah oui, les frames, ça. Finissent pour pouvoir, voilà, c'est chiant, faut pas manger en même temps que faire ça, mais moi j'adore manger. Et oui, j'arrive pas, ça me saoule, j'arrive pas. Non, je sais pas, j'ai commencé il y a combien de temps, mais là pour faire tout ça, j'ai dû avoir mis. J'ai commencé, j'ai mis 40, 50 minutes. Je dirais, non, je dirais 40 minutes. Pour faire tout ça. Crise d'épilepsie. Mal au diable. Ok.
La dernière fois, j'avais un film que j'ai préféré que celui-ci. Il est un peu plus fin. Et j'aime moins. Du coup, je vais prendre une prime par là. Je coupe mon pyjama à chaque fois. Oh ton nom, Regarde bordel! pas. Je visais juste derrière toi, ça fait une ombre gigantesque. Pourquoi moi je décore là? Je reviens. J'espère que la vie va pas se couper. Sinon, bah, c'est mieux. Vas-y. Reviens. On fait la vidéo. Je suis de retour, du coup, je vais continuer. Et ce que je vais faire pour le derrière, pour le reste du derrière de la tête, c'est que je vais prendre du rose. Parce que comme ça fera une autre couleur. Et en fait, bah, je préfère lui. Je suis le plus épais. J'essaie de faire un comparatif. Bah, attends, je prends. Voilà. En haut il y a le violet, en bas il y a le rose. Donc le rose est plus épais et je préfère largement. Mais c'est qu'il n'y avait pas le violet, la couleur que je voulais en format comme ça. Mais du coup c'est pas grave. Le rose clair ira bien avec elle, je pense. Et c'est la même couleur que moi, que Weirdo. Du coup, je vais souffrir, je vais juste marcher quand même. Le plus gros flemmard que moi, il n'y a pas. Bref, du coup, j'ai tout enroulé. Du coup, j'essaie de trouver une extrémité. Vous savez quoi? Je vais la trouver, mon extrémité. Voilà. Ok. Ah, mais oui, mais c'est ça. Je me demandais pourquoi j'avais pas la même satisfaction quand je le faisais. J'étais en mode, ah, j'aime déjà plus vert, mais si, c'est parce que c'est pas la même laine. C'est elle, la laine Zumbo. Ah oui, elle est beaucoup mieux, celle-là. En vrai, ça fait super beau. En même temps, c'est pas la vraie mienne, donc j'ai pas vraiment les couleurs, mais ça fait beau quand même. Ok, c'est cool. C'est cool. Ok. Mais je vais faire quelques roses. Et je reviens. Ok, donc là, on est un quart d'heure après. Et du coup, on peut voir que j'ai fait toutes les roses. Et on peut voir que les roses font beaucoup plus. Enfin, prennent beaucoup plus de place et font beaucoup plus jolies que là devant. Par exemple, quand on fait une queue de cheval, on voit que du coup, il y a plein de trous. Alors que derrière, avec le rose, ça s'est tout bien rempli. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir à certains endroits où ça fait vide, et du coup après j'aurais fini parce que là, du coup bah techniquement j'ai bientôt fini de remplir la tête. Bon bah je crois bien que j'ai fini, j'en ai mis que 5 roses de plus du coup. Du coup je regarde si elle n'est pas des gros trous. Ok, peut-être une dernière par là.
Voilà. Ah putain, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais attacher. Donc tu vas mais j'ai pas le chou. Ah bah. Je sacrifie un chouchou, mais après je me plains que j'ai plus de chouchou. Bref. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais les attacher bien comme je le veux. Et je fais attention qu'il n'y ait pas trop de trous le moins possible. Donc, je l'enroule en deux. Et je passe par la tête. Parce que vu que c'est un peu long quand même, je passe par la tête pour que ça puisse s'activer. Je fais une Ok. Ouais. Donc là maintenant que j'ai fait la queue de cheval, je passe par la droite, je crois. C'est bon, la droite. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un bout de laine et venir l'enrouler autour parce que pour que ça soit plus joli, ça passe comme si le chouchou était en laine. Du coup, je vais prendre un bout de laine. Ah non, je vais pas faire ça. J'ai trop l'habitude et du coup j'ai un enroulé jusqu'à ce qu'on n'ait plus chaud. C'est un peu chiant par contre. Ok, c'est bon. Ensuite, je viens couper et finir d'enlever le reste et le mettre. Et le coincer, pas que un bout sorte. Tout simplement. Donc après, on coince. Ensuite, je viens remettre la tête sur le corps. Ça vient quand même. Donc, c'est un peu dur. Et derrière aussi, vu qu'il y a des pics comme ça, c'est un peu compliqué. Ok. 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 Et voilà. Attendez, c'est peut-être pas. C'est pas spectacle, je crois. Si c'est bon. Bon, la pointelle, je suis pas bien faite, je crois. Je suis pas satisfait. Je retire. Oh non, attendez, je refais la ponytail, je reviens. Ok, donc là j'ai la fête, elle est plus jolie comme ça. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, en vrai ça va, c'est bien, c'est droit. Enfin, c'est pas le plus droit, mais c'est pas horrible. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est de visualiser. Donc, je vais essayer de faire ça pour que ce soit le plus égal possible. Je vais serrer. Et je cherche la mèche la plus courte pour la couper. Moi je préfère parce que tout ça c'est beaucoup mais ça lâche le corps malheureusement. Ok. Oh. Voilà, j'ai coupé tout ça. J'en suis maintenant avec ça. Ok.
Bon, écoutez, j'ai terminé, je suis super content, ma web spider est super belle. J'en ai fait des plus jolies, mais bon, ça va, elle est pas horrible. Et aussi, des fois, je mets des mèches, donc j'implante d'autres et je les mets devant. Voilà. Et du coup, je fais des mèches là, la bonne mèche. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'ai beaucoup aimé faire ça. N'hésitez pas à me dire aussi si je l'ai rangé, si vous voulez que je fasse ou de là, pour la prochaine vidéo. Et du coup, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Elle est trop belle. Ses cheveux, ils sont pile poil sa taille, j'ai pas fait exprès, mais voilà. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Voilà. Merde, je vais pas faire la chaîne.